Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous prépare une guidance sur les énergies de la semaine du 23 au 29 juillet 2023. Si toutefois vous tombez sur cette vidéo en dehors de cette période, n'hésitez pas malgré tout à aller faire un tour. Pour voir un peu ce qui se dit sur les énergies de votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Si toutefois ces énergies vous parlent, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, les partages de vidéos, les likes et les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup. Vous trouverez en fin de cette vidéo l'ensemble des prestations que je vous propose ainsi que les coordonnées pour me contacter. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez, et c'est parti pour les béliers sur la semaine du 23 au 29 juillet 2023. Alors, pour les béliers, on vous invite ici à rester positif sur certains éléments, puisqu'il semblerait qu'il y aura des accusations. Alors, accusations, ça peut être large, hein. Ça peut être des mensonges vis-à-vis de vous, ça peut être des reproches, ça peut être éventuellement aussi une procédure en justice, ça peut être en lien avec des formalités au niveau de votre hérédité, donc peut-être en lien avec des faits antérieurs, puisqu'on parle ici de procédure, mais on pourrait aussi penser au transgénérationnel, à la lignée familiale, à toute forme d'héritage, etc., etc. On est dans une guidance générale, hein, donc c'est compliqué de voir à quoi ça peut correspondre pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, on vous invite ici à rester de marbre neutre pour maximiser vos chances de réussite en fait dans cette épreuve ci. Voilà. Allez, courage les béliers. Pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 23 au 29 juillet 2023? Bon, alors, il semblerait que certains taureaux puissent vivre des difficultés. Voilà, contre lesquels il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, on vous invite à être calme, serein par rapport à ces événements. On vous dit que ce n'est qu'une question de temps. Laissez couler les choses et puis ça va s'arranger. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies de la semaine du 23 au 29 juillet 2023? Pour les Gémeaux, alors pour les Gémeaux, ici on parle d'un événement, donc soit c'est une réunion professionnelle, personnelle, ça peut être aussi un événement dans lequel on se réunit, c'est pas forcément que en lien avec du travail, ça peut être des coopérations, ça peut être des choses comme ça, des associations, etc. En lien peut-être avec quelque chose d'inconnu, d'étranger, peut-être une personne, une situation, et on vous indique ici que c'est un changement qui arrive à vous. Alors, à voir, hein, c'est pour peut-être décider hein, de ce changement, de comment on va le mettre en place, etc. Donc, c'est l'inconnu, hein, c'est ça, hein, c'est l'inconnu, hein. Donc, comment ça va se goupiller cette affaire? En tout cas, c'est ce qu'on va décider lors de cette réunion, de ce rassemblement. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies de la semaine du 23 au 29 juillet 2023? Pour les cancers. Ah, bah, des cartes qui se sont retournées, j'avais même pas vu. Alors, l'argent, le travail et la sexualité.
santé, des difficultés financières, les cancers, et visiblement, vous avez trouvé une solution pour arranger vos fins de mois. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Alors, il est possible, effectivement, bon, cette carte de la sexualité, effectivement, elle peut porter à confusion. Il est possible qu'elle représente tout simplement un accord. Peut-être que, justement, il y a des choses au niveau du travail. Qui vont bouger parce que ici on a l'argent. J'ai l'impression que ça concerne peut-être quelque chose qui va être reconnu par rapport à votre travail. Donc est-ce qu'il y aura une augmentation, un grade qui va être revu à la hausse, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est plutôt positif hein, pour vous les cancers. Donc bravo. J'espère que vous m'en voudrez pas pour la petite boutade. Allez les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 23 au 29 juillet 2023 pour les lions? Alors, pour les lions, il est temps. Alors, bon, entre la parole et la correspondance, on vous invite à communiquer, hein. On vous invite à communiquer, cher lion. Donc, j'essaie de vous montrer avec le mot quand même. Voilà, entre la parole et la correspondance à côté, on vous invite vraiment à communiquer. Alors, peut-être pour certains à communiquer par rapport à la famille. Peut-être qu'il y a eu des choses qui sont nécessaires d'aborder. Peut-être que c'est une communication dans le but d'améliorer les relations familiales. Peut-être que c'est la parole ou le fait de correspondre sur un sujet pour arranger quelque chose, mais en tout cas, il est nécessaire de discuter, de libérer la parole, hein, pour vraiment trouver une solution. Hein. Il y a vraiment cet aspect-là. Bon, ben, on ne décourage pas les lions et on fait le nécessaire. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies de la semaine du 23 au 29 juillet 2023. Alors ici pour les vierges, ici pour les vierges, alors, il semblerait qu'il y aurait une rupture. Alors, comme on est sur une guidance générale, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être au niveau personnel, amoureux, amical. Ça peut être au titre d'une association. Ça peut être au niveau du travail. Dans tous les cas, il y a la nécessité de se séparer, de rompre, d'arrêter. Un contrat, etc., etc., mais dans la volonté peut-être de se protéger, ou alors suite à cette rupture, il y a nécessité de se protéger, ça peut être perçu comme ça aussi, hein. Voilà pour vous, pour les vierges. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies de la semaine du 23 juillet au 29 juillet 2023? Oups. Pour les balances. Allez, pour les balances. Hop. Je suis en train de me dire que j'ai pas rangé le vierge au bon endroit. Voilà. Alors, pour les balances. Il y a la notion de retard sur quelque chose. À voir comment ça vous parle, puisque c'est une guidance générale. On nous parle ici d'un déplacement, peut-être en rapport avec des enfants ou un enfant, ou éventuellement un projet. Donc, il y a peut-être eu du retard dans le passé. Je ne sais plus si je vous avais montré. Mais dans tous les cas, il y a cette notion de se déplacer. Alors, se déplacer, déménager, hein, parce que ça pourrait aussi être un déménagement. Donc, à voir comment ça vous parle par rapport à un enfant ou par rapport à un projet.
C'est quelque chose qui a pris du retard, mais ici, visiblement, ça devrait se matérialiser assez rapidement si ça sort maintenant. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 23 au 29 juillet 2023? J'ai mes cartes qui ont sauté. Allez, pour les scorpions. Hop. Alors, pour les scorpions, visiblement, vous avez une certaine forme de clairvoyance par rapport à une situation. On vous dit bien ici que c'est le reflet de ce que vous avez peut-être attiré à vous et que visiblement c'est positif puisque ici on a la carte de l'évolution. Donc très bien, continuez d'utiliser votre intuition, votre clairvoyance. N'hésitez pas à comment dire à jouer, à utiliser la loi de l'attraction par rapport à tout ça. Donc loi d'attraction, je peux vous mettre la vidéo. Voilà. Donc la loi d'attraction pour continuer à visualiser une réussite, des changements, etc. Donc continuez ainsi les scorpions. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies de la semaine du 23 au 29 juillet 2023? Pour les sagittaires. Oh, bah écoutez, plutôt une bonne semaine pour les Sagittaires, puisqu'on vous parle ici au niveau du foyer, de la maison, mais symboliquement, ça peut être aussi votre intérieur à vous, hein, voilà, à l'intérieur de vous. On vous parle ici d'un cadeau, qui vous amènera de la joie, donc en rapport avec quelque chose qui va se passer au niveau du foyer. Donc, bah, c'est super, bravo les Sagittaires. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies de la semaine du 23 au 29 juillet 2023? Alors, on nous parle ici d'une instabilité qui fait office. Alors, je pense plutôt qu'elle nous renvoie au passé. Peut-être une instabilité passée par rapport à une solution, à une situation, pardon. Ici, on vous dit qu'il est nécessaire d'en finir en prenant une décision, en faisant un choix. Ne soyez pas inquiets puisque la chance est là avec vous. Donc, c'est le moment de prendre votre décision, hein, les amis, là. Alors, ma carte est tombée. Allez, j'en suis où? Ben, il nous reste les Verseaux et les Poissons, donc c'est parti pour les Verseaux. Quelles sont les énergies de la semaine du 23 au 29 juillet 2023 pour les Verseaux? Bon, ça paraît pas très folichon au départ, hein, ce tirage pour les Verseaux, mais on vous invite à ne pas rester dans un sentiment de culpabilité ou d'échec par rapport à une situation ou à une personne, puisque cela va s'arranger. Donc, voyez comment ça vous parle, peut-être en lien avec des enfants, je ne sais pas. Voilà pour les Verseaux. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 23 au 29 juillet 2023 pour les Poissons? Allez, pour les Poissons. Alors, pour les Poissons, alors on a deux cartes ici qui peuvent évoquer le retour, le fait que ça revienne. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Ouais, il y a une décision qui est prise ici pour les Poissons.
Il y a une décision qui est prise. Par contre, on me dit attention, il y a peut-être des personnes, des situations qui vont tenter de revenir à vous. Soyez vigilants puisque c'est à vous de faire le choix en fait entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Maintenez peut-être le cap de ce que vous aviez décidé. Ne laissez pas les personnes essayer de vous comment dire, de vous faire changer d'avis parce que c'est pas forcément à eux de décider pour vous, vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Donc écoutez-vous en priorité. Voyez ce que vous voulez, hein, pour vous par contre. Hein. Voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.